Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mondus Bellicus, site et forum francophone de jeux d'histoire, de stratégie, de tactique, mais aussi le petit joyau comme Quadriga, c'est long, petit patapon, et aujourd'hui c'est l'épisode numéro 2 sur ce jeu, sur ma campagne Panen et Circens. Alors, une petite information que j'avais oublié de transmettre lors de l'épisode précédent. Il s'avère que vous pouvez trouver ce jeu sur PC entre 15 et 20 euros sur les différentes plateformes de téléchargement, mais aussi sur tablette, et a priori il y aurait des prix qui seraient jusqu'à, on peut le trouver jusqu'à 8 euros sur tablette. Voilà, donc ne vous privez pas de cette petite perle. Alors, prochaine course, 4 participants, on y va. Alors, on va acheter un cheval pour compléter l'équipage de Rufos. On va soigner les chevaux de Akko. Et on va lui racheter un char, puisque souvenez-vous, lors de la précédente course, il s'était vautré comme une grosse merde. Alors, on y va. On va faire courir Koji Dublinus. À tes souhaits. Alors, une clé née track. Broken remains from the previous race. Are still at the track. Donc il y a des débris sur la piste qui datent de la course précédente. Alors on va parier 701 denarius pour essayer d'en gagner 2804. Alors qui c'est qu'il y a? Il y a Calepios à 3 victoires, Unio à 3 victoires et Andecombodios. D'accord. Alors on va regarder où sont les débris. Ah paf, là je risque de m'en prendre un. Je suis sur cette ligne, donc je risque de m'en prendre un si j'y reste. Et là, il y en a encore un autre juste derrière. Ok, donc il y a 3 débris. Il faut surtout pas taper les deux lignes intérieures. Ok, c'est parti. C'est pas mauvais comme départ. On va lâcher les chevaux derrière ou qu'est-ce qu'on fait? Ou on attaque? On attaque. Pas mal, pas mal, pas mal. Et là, on prend l'extérieur tout de suite après à la sortie, en espérant que ça se passe bien. Ça passe, tranquillou, très bien. Allez, derrière, on lâche les chevaux, ce sera suffisant. Et là, on stabilise. On stabilise encore. Là, à la sortie, on pourra en mettre un petit coup histoire de mettre un peu de distance avec Ulio. Là, ce serait pas mal. C'est pas mal. On stabilise. C'est bon, ça, c'est bon. Ce qui serait encore mieux, c'est s'ils pouvaient se vautrer, là, ce serait sympa. Un des deux champions, et puis qu'ils s'entretuent. Ce serait encore mieux. Là, tranquille, on assure. On gère, on gère. On va continuer à gérer. C'est bon, ça. On continue à gérer. Parfait. On gère. Allez, avant-dernier virage. Le public est en délire. Ils applaudissent le grand champion. Ah ouais, là, vraiment, aucun adversaire pour... ça va être sa première victoire à notre Koji Dubnus, là. Dubnus, pardon. Koji Dubnus. Voilà. Rien à dire. On a mis tout le monde d'accord. Ah, on abîme quand même le char. Bon, c'est histoire 2, quand même. Et là... victoire... tranquillou. Joli. Bravo, bravo, ah, bravo.
Il a géré l'affaire comme un roi, mon petit Aurige. Alors, là, on a 8 participants. Qui allons-nous faire courir? On va faire courir Akko, allez. C'est parti. 8 participants. Alors, Team Axel. Alors, Neglected Track. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Neglected. Alors, Team Accelerate Less. Alors, les équipes ont une moins bonne accélération. Ok. On peut parier à 5 contre 1. Et donc, on parie 1247 denarius. On peut en gagner 7482. Ce serait une bonne idée. Où c'est qu'on est? On est là. C'est pas trop mal. On a qui? On a Ulio, ici, à notre droite. Derrière, on a Convictivis à 3 victoires, lui aussi. Et Teutomatos à 3 victoires. Ok. C'est parti. Pas mal comme départ. Est-ce que je refouette derrière? On risque de le blesser. Ouais, allez, on va tenter le coup. Pas mal. Et là, on lâche les chevaux. Ah, putain. Allez. On prend l'extérieur, normal. Et on rattaque. C'est bon, ça, c'est bon. On stabilise derrière. Bien, bien. Ah, dommage, j'ai cru qu'il allait blesser ses chevaux. C'est bien dommage. Allez, on stabilise, là. Oh, ça va se morfler ici. Ah, bien, vous avez raison, moi j'attaque. Je fouette. Allez, allez. Voilà, continue à vous latter, c'est parfait. Oui. Excellent. Allez, on stabilise. C'est bon, ça. On continue à stabiliser. Parfait. Allez, là, je vais mettre un petit coup, histoire de distancer celui-là. Là. Bien qu'avec son cheval blessé, je pense pas qu'il puisse beaucoup m'inquiéter. Et derrière, on stabilise dans le virage. Oh, oh, il y a de la viande collée au mur, là. On entend le public qui s'excite. Ah ouais, faut faire gaffe. D'ailleurs, il y a 2 chevaux ici. Il y a 2 cadavres de chevaux. Il va falloir les éviter. Mais là, c'est bon, on les évite. Puisqu'on prend la ligne extérieure. Et là, on va rattaquer un petit coup histoire de les distancer. Il y en a un qui est aux fraises. Je ne sais pas qui c'est. Ça aurait été bien si ça avait été un champion. En tout cas, il y a eu un cadavre. Il y a eu un mort. Alors, on stabilise. Tranquillou. Voilà. Tu passes tranquillement ton virage. C'est bon. Parfait, et derrière, un petit coup, allez. C'est bon, ça. On stabilise. On va même rattraper l'autre, là. J'espère qu'il va même pas venir m'emmerder, d'ailleurs. On va lui mettre un tour dans la vue. Voir que le pauvre, en même temps, de chevaux, là, ça doit être ses cadavres, là. Ça doit être son... Deux chevaux de son attelage. Allez, on finit en beauté. Non, on finit sans stand. On stabilise tranquillou. Inutile de blesser les chevaux plus que ça. Et voilà. On enchaîne une deuxième victoire d'affilée. C'est bon pour le moral et pour les finances. Voilà. Deux victoires d'affilée, c'est bien ça. On doit avoir de la thune du coup. En plus, je pense pas avoir beaucoup abîmé mes chars. Il ne coûte rien. Et même mon héros est monté. Et maintenant, il a une qualité de plus, constitution. Il réduit le risque d'être assommé. C'est bon ça. Et il sera moins blessé quand il sera agressé. Muy bien. Bon,
Donc il est à 2 victoires. On sait combien le prochain coup? 8 équipes, ok. J'hésite entre refaire courir notre champion là et envoyer Koji Dubnus. Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Allez, on va envoyer notre Koji Bunus. Allez, on va envoyer machin. Allez, machin, va sur la piste. Corrupted Praetors. Les prices reduced because of their débaucherie. D'accord. Donc, les prix qu'on peut gagner sont réduits à cause de la débaucherie de ces prêtres. De la débauche. De la débauche. Eh ben, c'est du joli. Alors, on parie 1091 denarius. On peut essayer d'en gagner 5455. À 4 contre 1. Alors, où c'est qu'on démarre? On démarre ici. Pas mal. Qui c'est qu'on a? On a Ulio à 3 victoires. Calepos à 3 victoires. Teutomatos à 3 victoires. Et derrière, Crotus. Ça va pas dû être facile tous les jours, toi. Et toi, à 3 victoires, Convictivis. Allez! C'est parti. Ah, pas génial comme départ là. Il y a machin qui est. Il y a Calepios qui part mieux que moi. Donc je vais refouetter mes chevaux. Pour essayer de refaire mon retard. Non putain, ce départ canon qu'il a pris lui. Et moi je blesse mes chevaux. Il n'y a pas bon, il n'y a pas bon. Alors on va protéger dans le virage parce que je soupçonne lui de vouloir. Non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Il a décidé de ralentir. Et moi je me retrouve comme un con ici. Donc je vais simplement accélérer, je vais pas fouetter mes chevaux. Oh là 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 là, enfoiré! Oh là là, il va un peu vite, lui, il va se vautrer, non? Et là, je peux pas attaquer. Ah, lui, déjà, il est aux fraises. Ah, par contre, j'ai pas pris un super départ. Allez, là, on va rattaquer, mais j'ai vraiment pris un départ de merde. Et l'autre, alors oh, lui, c'est bon, il a déjà demi-tour d'avance sur nous. Lui, là, il va m'empêcher. Foiré! Aïe! Non, c'est bon, je blesse pas mes chevaux. Ah oui, je l'ai tué! Un de moins. Alors, qu'est-ce que je fais, là? Je garde comme ça. Non, je fais stabilisation. Stabilisation. Et là, on rattaque. Mais lui, il va sans doute se dégager à gauche, j'imagine. Il va me coincer, s'enfoirer. Oh là 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 là! Et puis il y a des chevaux là, c'est pas bon! Allez, on rattaque. Voilà! Je sais pas si j'ai bien fait. Je vais peut-être prendre plutôt l'intérieur. Parce que rattaquer ici, à mon avis. Oh non, la mauvaise idée! Putain, c'est pas vrai! Aïe! Non, c'est bon, ça passe. Allez, deuxième pour le moment. Allez, on attaque. Allez, je vais prendre l'extérieur. C'est le dernier tour. Et là, à l'extérieur, est-ce que je peux rattaquer si je fais ça? J'en sais rien. Oui, allez, je joue le coup. Ouf, putain, j'abîme mon char, mais... Tant pis, on recommence. Il est loin, lui. Ah, il est trop loin, il a gagné. Et il a plus que 3 chevaux, hein. Ah non, non, c'est lui qui est en tête. Ah non, c'est fini, ce sera deuxième au mieux. Deuxième au mieux. Ah, c'est déjà pas mal, allez. Ça m'évite de perdre de l'argent sur mon pari. Alors lui, on va voir, est-ce qu'il va déboîter sur le côté? Non, donc on va la laisser se finir comme ça. Second. Alors, un leader est mort, ça c'est la bonne nouvelle. Ulio qui était avec 3 victoires, et il y en a un qui est blessé, Convictivis, avec 3 victoires lui aussi. Par contre, ce qui est pas bon, c'est Calepios qui est monté à 4 victoires du coup. Bon, on peut pas tout avoir. Alors, course suivante, 8 participants encore. Donc ici, on va faire courir Akko, hein. On va faire courir Akko. Allez, go to race. Alors, oh merde, terrible,
terrible start, you get the worst acceleration, acceleration from start. Bon, alors on a la plus mauvaise accélération au départ. Alors est-ce que ça vaut le coup de parier quand même? Ouais, allez. Alors j'espère que je vais être en première ligne. Putain, en plus je suis en deuxième ligne. Ah, pas bon! Là, on a le champion Gabranos à 5 victoires. Ici, on en a un à 3. Lui, à 2. Bon, donc inutile de fouetter mes chevaux, puisque de toute façon, je vais avoir un départ de merde. Donc, inutile de les blesser. Donc, je vais simplement lâcher les rênes. C'est parti! Là, par contre, je vais attaquer. Ah, puis les champions, ils sont partis loin devant, les salauds. Ah, puis je suis bien bon dernier, là. Ah, il y en a un qui est aux fraises, mais c'est pas un champion, c'est bien dommage. Et lui, il attaque l'autre, d'accord. Qu'est-ce que je fais, là? Allez, je lâche les rênes, il va bien lâcher les siennes, il va bien attaquer, lui. Chez Seren aussi. Je stabilise, allez. Dernier, bon Dieu. Toujours dernier. Allez, on va essayer de prendre l'intérieur. Et oui, là, si j'attaque, je me vautre comme une merde. N'attaque pas. Serre les fesses. Ça passe. Allez, on attaque, là. Est-ce que je rattaque derrière ou pas? J'en sais rien, je ne sais pas. J'hésite, je ne sais que faire. J'attaque, tant pis. Ça va être chaud, bon dieu de merde. Allez, par l'extérieur après. Ah, te montre pas. Oh oui, il est passé. Oh, il est passé. Allez, attaque maintenant, attaque. Ah putain, l'autre, il va beaucoup plus vite que moi, par contre. Allez, attaque. Ah, il ferme la porte, le salaud. Allez, rattaque un coup, tant pis. Allez, prends intérieur maintenant, prends intérieur. Non, stabilise. Oh, c'est chaud. Ah, putain. Attaque. Ah là, j'ai tué mes chevaux, quel dommage. Ah, quel dommage, parce que... J'y ai bien cru là au tour précédent, j'ai bien cru au miracle, mais non. Ah, mais enfin bon, avec les honneurs quand même, je vais quand même tenter d'essayer de passer en seconde place, non, c'est mort. Avec les honneurs tout de même, hein. Avec les honneurs, dommage. Ah bah tiens, il y en a un autre qui est parti où t'as, tiens. Troisième. Ah, pourtant, j'y ai cru. Ah, je suis déçu parce que j'y ai cru, là. Enfin, bon, c'est un moindre mal, puisqu'il y a deux leaders qui sont blessés et aucun leader n'a gagné. Donc, c'est un moindre mal. Ah, quel dommage! Ah, je suis déçu. Bon, alors, 8 participants à la prochaine course encore. Du coup, il faut soigner les chevaux. Avec tous ces leaders blessés, j'enverrai bien un à la course. Et je vais donc le mettre ici, à la place de Koji Dubnus. Voilà. Alors, encore, oh putain, on a la plus mauvaise accélération au démarrage, pas, oh du coup j'ai pas parié, tiens,
Ah là 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 là, c'est pas vrai. Bon bah vas-y quand même. Ah là 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 là. Ça fouette, ça fouette. Ça fouette. Si vous pouvez se castagner un petit peu là, ce serait sympa. Voilà, tiens, c'est bon ça. On continue, on accélère. Oui, c'est... Ah, dommage, c'est pas un champion. Là, si je pouvais passer ici, ce serait bien. Non, même là, ce serait mieux. Voilà, viens t'en plâtrer contre moi là. Paf! Voilà, c'est bon ça. Allez, on va prendre l'intérieur. Oh putain, lui, il est au taquet là. Il est au taquet celui-là. Allez, 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 là, on attaque, allez! C'est bon ça. On prend extérieur, c'est parti. Oh, il y a des débris, donc c'est bon. Tu stabilises, tranquillou. Oh, le char est en train de s'abîmer, mais ça passe. Et là, t'en mets un petit coup histoire de le distancer. Ah, ça c'est bon! Ah oui, un champion à 3 victoires qui est au tapis, pardon. S'il pouvait se faire piétiner, ce serait un coup double. Alors pour le moment, je me concentre sur ma propre course. On verra ça plus tard parce que là, j'arrive un peu vite. Mais c'est bon, ça prend, ça prend. Ça prend. Allez, là, on attaque encore un petit coup. Allez. Vas-y, mon Ako. Stabilise. Tu gères maintenant. Tu gères dans le dernier virage. Non, dernier tour, pardon. Eh oui, allez, le public est en délire! Stabilise, tu gères, tu gères. On gère. Oh, c'est beau ça! J'aurais dû parier tout compte fait, hein. J'ai bien été con sur ce coup-là. J'aurais dû parier, j'aurais ramené plein de thunes. Mais bon, tant pis. Bien, et oui. Et puis en plus, il est blessé, Convictivis. S'il avait pu se faire piétiner, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors du coup j'ai gagné 2911 denarius. Dommage. J'aurais pu gagner beaucoup plus. C'est pas grave. Alors prochaine course, 4 participants. Et je vais tenter un coup. Je vais tenter un coup. Je vais envoyer à nouveau Ako. Je vais envoyer à nouveau Ako. Pour essayer de le faire gagner, de le faire passer à 4 victoires. Tac, donc on permute avec Rufos. On y va et on lance Ako. Cut reins. Some reins have been cut. You only change one lane every turn. Ok, donc je ne peux changer qu'une fois par tour de ligne parce que les rênes ont été coupées. Alors, on parie à 2 contre 1. Ok, donc 468, on gagne 1404. Allez, alors, qui c'est qu'il y a? Il y a Centunatus à 2 victoires. Il y a Calepios à 4 victoires. Il y a Teutomatos à 3 victoires. Il n'y a que des champions, donc. Ok. Eh ben alors, on va régler ça sur la piste. C'est parti. Ils n'attaquent pas, eux. D'accord, ils ne fouettent pas leurs chevaux au premier tour. Pourquoi pas? Donc là, je vais moi aussi accélérer. Ah oui. Du coup, il va un peu plus vite. S'il pouvait blesser son cheval, ce serait bien fait pour lui. Voilà! Voilà, t'es méchant avec tes chevaux, tu en es puni. On stabilise. On stabilise dans le virage. Et
Ça c'est bon. Et on attaque là. Allez. Putain, mais à quelle vitesse il va lui? À quelle vitesse il va sans fouetter ses chevaux, rien du tout? Mais c'est quoi cette histoire? Donc toi tu vas pas aller plus loin. On va s'occuper de ton cas ici. Ah le salaud, il se déporte. Il se déporte, bien vu. Alors sur le coup là, on va la jouer. Non, on va la jouer stabilisation. Stabilisation, voilà, ça passe. Et là derrière, un petit coup de fouet les enfants. Et ça devrait être bon. Allez, fouette cochée, voilà. Allez, extérieur. Extérieur, dépêche-toi, passe en extérieur. Voilà, c'est bon. Ici, on va fouetter un autre petit coup. Oh putain, j'ai abîmé mon char. On va fouetter un autre petit coup, histoire de leur mettre un petit peu de distance entre nous. Voilà, on stabilise, tranquillou. J'abîme encore mon cheval. Ça, c'est pas bon. Il va falloir gérer la fin de la course avec la roue droite qui se dilate. Alors, on va stabiliser. Hein. C'est très bien, ça. On continue. Qu'est-ce que je fais? J'attaque ou pas? Non, je stabilise. Tranquille, gère. Gère-moi tout ça. Allez. Tranquillou, voilà. Tu gères encore. Voilà, on a largement assez d'avance. C'est à nouveau le dernier tour. Le public a choisi son champion une nouvelle fois. Allez. On gère, on stabilise. Oh, ça va être énorme. Ça va être à nouveau énorme. Encore une victoire écrasante d'Aco. Yes, on stabilise. Eh ouais, t'es loin derrière, mon ami. Je reviens à égalité avec toi. Calépios avec 4 victoires sur ce coup-là. Et voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc, ben voilà, je gagne quand même 2652 denarius sur ce coup-là. Si mes calculs sont exacts. Allez, lui, il est blessé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, je reviens à égalité avec Calépios. Parfait. Voilà, 4 victoires. En plus, on a Gabranos qui est blessé juste au-dessus. Donc, à la prochaine course, il ne pourra pas courir. On est deuxième. C'est bon, ça. C'est bon, ça en promet. Ça promet de bonnes choses pour le prochain épisode. Le prochain épisode qui aura donc lieu la semaine prochaine, bien évidemment. Et en attendant, je vous dis à tous à bientôt sur mondouzbellicus.fr. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, hein, allez m'acheter ce jeu, il est d'enfer. Ciao, ciao, à bientôt.